Grand honneur et grand plaisir de co-présenter ce concert qui fait partie justement de cette série Spotlight on France. Creative chemistry between famed French pianist Baptiste Trottignon and talented American saxophonist Mark Turner is so powerful that they decided to immortalize it with an album. Dusk is a Quiet Place. Madame et Monsieur Baptiste Trottignon et Mark Turner. C'est la musique gamin très tôt et après c'est venu à l'adolescence l'amour pour le son afro-américain, même si je suis ni afro ni américain, mais donc c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu cette espèce de double chose, d'une part un amour de cette tradition afro-américaine et du son afro-américain, tout ce qui fait son identité, et en même temps génétiquement je suis très ancré en Europe. Énormément d'improvisation, ça fait partie des musiques qui ont poussé le niveau de langage de l'improvisation très 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 loin. L'improvisation ne s'improvise pas, elle correspond à un travail qu'on a fait en amont pour comprendre les règles, le langage, etc. Et puis après, en situation, bien sûr, parfois on a juste quelques éléments d'un thème, quelques harmonies, et à partir de là, on peut jouer très longtemps en utilisant des règles, des codes, etc., que je ne vais pas expliquer ici. Une musique de métissage, et à l'intérieur de ça, un musicien de jazz en 2014 est lui-même un métissage de jazz et de musique européenne, de compositeurs européens, de musique du monde, world. Donc après, c'est la façon dont on essaie d'agencer un peu toutes ces sources d'inspiration qui fait qu'on se crée sa propre identité, quoi. Pour l'improvisation dans l'idiome jazzistique, il y a un certain nombre de règles, de choses qui marchent ou qui ne marchent pas, etc., qu'on connaît en tant que musicien de jazz. Après, la façon d'en faire quelque chose, de les inventer, de les réinventer en permanence, c'est du domaine de l'infini. C'est ça qui est beau et qui est excitant, quoi.